le prince William et Kate Middleton ont visité une ferme au pays de Galles. Ils ont confié que le prince George avait déjà une corvée. Leur fils aîné doit réaliser une tâche importante durant ses vacances. Depuis la naissance de leurs trois enfants, le prince William et Kate Middleton sont très soucieux de l'éducation qui leur est donnée. Alors que leur aîné, le prince George, se prépare à célébrer ses 9 ans, ils ont confié qu'il avait déjà des corvées pendant ses vacances. Dans un article publié le dimanche 3 juillet, le Mirror est revenu sur une conversation tenue par le duc et la duchesse de Cambridge, en mars dernier. À l'époque, il s'était rendu dans un élevage de chèvres, au pays de Galles. Pendant leur visite, le prince William s'était confié sur leur propre travail à la ferme, dans leur résidence secondaire dans Mayhall, sur le domaine de Sandringham. Il avait d'ailleurs confié qu'il poursuivait le travail de son père, le prince Charles, afin de rendre le domaine biologique. Nous essayons également l'agroforesterie, avait-il expliqué. Kate Middleton se confie sur la corvée donnée au prince George après avoir observé un robot balayeur en action dans la ferme du pays de Galles. Kate Middleton avait questionné un fermier sur son rôle. Ce dernier lui avait répondu qu'il pouvait aussi déplacer des aliments. Si est-il le travail de George de déplacer les aliments des animaux, avait-elle ensuite confié. Une tâche particulièrement salissante pour le petit garçon qui semble très impliqué dans la vie à la ferme. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis sont vivement encouragés à passer du temps à l'extérieur. Lorsqu'ils sont dans leur maison, ils doivent suivre des règles strictes. Ils ne peuvent pas rester plus d'une heure par jour devant la télévision et ne peuvent pas non plus crier. Des règles très importantes dans leur éducation de tous les jours.